Quand la police est appelée sur un accident de voiture a priori banal, il ne s'attendait absolument pas à se retrouver au cœur d'une affaire complètement folle, une affaire qu'on dirait tout droit sortie d'un film, une affaire impliquant des tueurs à gage. Je vais vous raconter l'histoire de Holly Williams et William Lanway. Notre histoire se déroule le 13 mai 2020 dans la ville de Nashville, dans le Tennessee aux États-Unis. Alors Nashville, c'est la capitale du Tennessee, c'est une très grande ville de 700 000 habitants et c'est une ville dynamique qui est carrément surnommée la ville de la musique parce qu'il y a plein de genres musicaux qui sont nés là-bas. Mais ce jour-là, l'ambiance n'est pas à la fête. Un ouvrier qui se rendait sur un chantier appelle les secours puisqu'il vient de découvrir un véhicule blanc, une voiture. Qui visiblement a fait une sortie de route avant de terminer dans un arbre. Les secours arrivent et à l'intérieur de la voiture, ils découvrent deux corps celui d'un homme à l'avant sur le siège passager et celui d'une femme à l'arrière allongée sur le plancher. Ils essayent de voir s'il y a quelque chose à faire, mais ça semble évident que ces deux personnes sont. Morte. Cependant, la scène interpelle immédiatement les policiers. Ils ont l'habitude de voir des accidents de voiture, hein, c'est quasiment quotidien dans leur métier, et là, ça n'y ressemble pas. Il se trouve que les vitres de la voiture ont été brisées, mais il y a du verre uniquement à l'intérieur de la voiture, or généralement, il y a également du verre à l'extérieur. Donc ça leur semble très bizarre, comme si les vitres avaient été cassées ailleurs et que la voiture avait été amenée là par la suite. Les corps des deux personnes sont également disposés de manière étrange dans la voiture. Et leurs doutes se confirment quand les corps sont extraits de la voiture, puisqu'ils ne sont pas morts dans un accident comme on aurait pu le croire à première vue, mais ils ont été tués par balles. L'homme a reçu une balle dans la tête et la femme une balle dans le torse et une autre dans la tête. L'identité de ces deux personnes est rapidement trouvée par les policiers puisqu'ils sont retrouvés dans la voiture de la femme. Et il s'agit donc de Holly Williams, 33 ans, et de son petit ami William Lanway, 36 ans. Quand les proches du couple entendent qu'ils viennent d'être retrouvés morts, ils ont une théorie. Selon eux, c'est sûr et certain, William a tué Holly et a retourné l'arme contre lui. Et pourquoi ils pensent ça Eh bien, je vais tout vous expliquer, je vais vous présenter le couple et vous allez comprendre. Mais pour vous dire, ils sont tellement persuadés que c'est William le coupable que la plupart d'entre eux ne se sont pas rendus à son enterrement tellement ils avaient la haine pour ce qu'il avait fait à Holly. Je commence avec la présentation de Holly Williams. Elle est née à Murfreesboro toujours dans le Tennessee et elle n'a pas eu une enfance très facile puisqu'elle avait des rapports très conflictuels avec sa maman. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi, mais ce qui est sûr c'est que lorsque ses parents ont divorcé, eh bien, elle n'a pas hésité une seule seconde à aller vivre avec son papa et sa belle-mère. À l'âge adulte, Holly décide de faire des études d'esthétique et elle devient esthéticienne médicale, c'est-à-dire qu'elle a des connaissances vraiment très pointues en esthétique et ses connaissances là lui permettent de réaliser des soins complexes sur ses clientes. Elle peut notamment leur faire des injections de botox ou d'acide hyaluronique. Elle propose des thérapies laser et elle s'installe avec sa meilleure amie dans la ville de Nashville où elles ouvrent ensemble leur entreprise. Nashville est une ville Très dynamique, où il fait bon faire la fête. Il y a plein d'endroits branchés pour, euh, pour faire la fête, pour sortir. Et ça, c'est génial pour Oli, puisque c'est une femme fêtarde et très sociable. Donc elle adore ça, elle se plaît vraiment bien à Nashville. Alors Oli, vous l'avez vu, on dirait qu'elle sort tout droit de la famille Kardashian. On dirait une sœur de Kim et compagnie. Mais au-delà de son physique, c'est une très belle âme. Tous les gens qui la connaissent disent que c'est une personne très gentille. Une personne qui n'hésite pas à aider son prochain, à chaque fois que quelqu'un a un problème, elle est là, elle a le cœur sur la main, elle est très douce et c'est également une femme qui attire tout le monde comme un aimant. Donc, Dès que quelqu'un a besoin d'un renseignement ou quelque chose, il va aller vers Oli. Toutes les femmes ont envie de devenir amies avec Oli parce qu'elle a l'air tellement sympathique, tellement gentille, tellement fun. Et tous les hommes veulent la séduire. Et ça, ça plaît parfaitement à Oli. Je vous l'ai dit, elle est sociable, donc le fait d'être entourée de plein de monde, eh bien, ça la rend très heureuse. Oli a conscience de son pouvoir de séduction et elle décide de l'utiliser à son avantage puisqu'elle se lance dans une seconde activité. En plus de l'esthétique, elle devient... Escorte. Et c'est une activité qui lui rapporte énormément d'argent. Oli a beaucoup de succès auprès des hommes riches et puissants. Elle est payée 20 000 dollars pour passer le week-end avec un homme et pour un court instant, eh bien, je vous montre son profil d'escorte. Vous voyez que pour seulement une heure en sa compagnie, il faut débourser la somme de 600 dollars. Oli n'a pas du tout honte du fait qu'elle exerce cette activité. Hein. Elle a pris un pseudonyme, Leila Love, mais c'est juste histoire de protéger son identité. En soi, elle ne s'en cache pas, tout son entourage est au courant qu'elle est escorte. Voilà, c'est quelque chose qu'elle assume complètement. On passe maintenant au compagnon de Holly, un homme qui s'appelle William Lanway et lui pour le coup a eu un destin très très sombre. Ça a commencé dès le plus jeune âge puisque son père était violent, son père qui s'appelle Lyle Lanway et un jour il a complètement pété un câble. Sa femme Candy était sortie avec des amis, ça ne lui a pas plus du tout et il y avait également la babysitter donc qui s'occupait euh, de william chez eux et il a ordonné à candy de ramener la babysitter chez elle et il lui a dit je te donne 30 minutes pas une minute de plus si tu es en retard je tue notre fils et je retourne l'arme contre moi ensuite Candy est terrifiée, finalement son fils est comme séquestré par son père, alors ce qu'elle fait c'est qu'elle court Voir la police en compagnie de la baby sitter. Toutes les deux racontent ce qui s'est passé. Que Lyle a été violent, qu'il les a menacées et qu'il est maintenant enfermé à l'intérieur de la maison avec son fils de deux ans et qu'il refuse de le relâcher. Il est armé. Elle a très peur. La police envoie un négociateur et fort heureusement, ce négociateur arrive à convaincre Lyle de relâcher le petit garçon et Lyle est envoyé en hôpital psychiatrique. Le problème, c'est qu'il sort. Très rapidement de cet hôpital, et même s'il a eu une ordonnance d'éloignement contre lui, eh bien, il ne respecte pas cette ordonnance. Il se précipite au logement de Candy où elle vit toujours avec son fils William, et il poignarde Candy à mort devant leur fils. Donc, William, à l'âge de deux ans, a vu sa mère mourir sous ses yeux, tuée par son père. Il a ensuite également poignardé un ami de la famille qui se trouvait là, il s'est mis également un coup de couteau dans le ventre et il a pris la fuite. Fort heureusement, il a été arrêté et il a pris une peine de prison à vie. Bon, finalement il est sorti en 2017, mais sur le coup il est en prison. William est alors confié à son oncle et à sa tante. Ce sont des personnes qui l'aiment énormément, qui le traitent comme leur propre fils, donc ça se passe très bien pour lui à ce niveau-là. Il a une enfance quand même relativement heureuse en compagnie de son oncle et sa tante malgré le traumatisme bien évidemment de ce qu'il a vécu. Si le sort de William vous a touché, attendez de connaître la suite, puisqu'une seconde tragédie s'abat sur lui, cette fois-ci à l'âge adulte. Juste après le lycée, William se met en couple avec son amour de jeunesse, une jeune fille du nom de Dana, et ils filent un amour parfait. Seulement six mois après le début de leur relation, Dana annonce à William qu'elle est enceinte. Et contre toute attente, le couple accueille la nouvelle avec beaucoup de joie, même si ça fait pas très longtemps qu'ils sont ensemble. Ils sont hyper heureux et leur petite fille naît, une petite fille qu'ils appellent Maddy. Maddy, c'est toute leur vie, ils l'aiment, mais à la folie, vraiment, c'est leur fille adorée. Seulement, voilà, un jour, Maddy tombe malade. Elle a comme un symptôme grippal, donc sur le coup il ne s'inquiète pas sauf que ses symptômes ne s'améliorent pas. Donc ils conduisent Maddie chez un médecin qui décide de faire plus d'examens à la petite fille et on découvre qu'elle est atteinte d'un cancer incurable. Maddie décède 16 mois plus tard. William, qui était un garçon enjoué, drôle et sociable, change complètement de comportement et se met à être tout le temps d'une humeur noire, il est froid et surtout il est violent, il pique des colères où il détruit tout dans le logement où il habite toujours avec Dana et la situation devient très vite insupportable pour Dana. La seule chose qui arrive à faire tenir William, c'est l'alcool qui lui permet de se changer les idées et également la lutte contre le cancer, il se met à s'impliquer dans plusieurs associations. Mais ça ne suffit pas à lui remonter le moral. La mort de sa fille l'a complètement détruit. Dana n'en peut plus. Elle décide de se séparer de William. Elle lui demande de ne plus jamais la contacter. Et William respecte sa décision. Elle n'a plus jamais eu de ses nouvelles. William, de son côté, passe son temps dans les bars de Nashville où il connaît beaucoup de monde. En soirée, c'est le seul moment où il arrive un petit peu à être heureux. L'alcool lui change les idées. Et c'est comme ça qu'il fait la rencontre de Holly lors d'un festival. Les gens qui ne connaissent pas très bien Holly et William et qui se contentent de les croiser en soirée ont l'impression que c'est le couple parfait. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont fun, ils adorent faire la fête, ils ont les mêmes un peu euh, les mêmes centres d'intérêt, hein. ils adorent passer du temps entre amis, euh, ils adorent boire, ils adorent s'amuser, ils sont toujours en train de se charrier, de se faire des blagues. Donc on a l'impression vraiment qu'ils ont une énorme complicité, qu'ils sont hyper heureux ensemble. Mais la réalité est tout autre. En effet, je vous ai dit qu'après la mort de sa fille, William avait complètement changé de personnalité, qu'il avait sombré dans la haine et dans la violence, et Ollie en fait les frais. Assez rapidement après leur rencontre, elle lui annonce qu'elle est escorte. Voilà, je vous ai dit que c'était pas quelque chose qu'elle cachait, donc elle le dit sans problème à William. Et c'est encore le début de leur relation, donc il aurait très bien pu la quitter, mais William décide de rester avec elle malgré le fait qu'il déteste cette activité. C'est quelqu'un de très jaloux, il ne supporte pas que d'autres hommes la touchent, mais c'est un couple toxique, un couple, vous savez, c'est le genre de couple qui se séparent tout le temps mais qui reviennent ensemble aussi tout le temps. Ils savent qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre, hein. ils savent que leur relation est toxique mais ils ne peuvent pas s'empêcher de revenir l'un vers l'autre comme deux aimants. Et pourtant, William fait vivre un véritable enfer à Holly. Il passe son temps à lui hurler dessus, à se plaindre du fait qu'elle fasse ce métier-là et il va même jusqu'à s'en prendre à ses clients. Il fouille son téléphone, il cherche l'identité des clients et il les agresse, il les menace. Pour vous dire, un jour, il a découvert qu'un de ses clients réguliers était un radiologue qui vivait non loin de chez eux. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est carrément rendu chez ce radiologue pour tout balancer à sa femme. Tout ça parce qu'il avait la haine que ce radiologue soit un client de Holly. Il est violent envers Holly dans ses mots, mais aussi dans ses gestes et c'est de pire en pire. Holly doit appeler la police à plusieurs reprises. La première fois qu'elle appelle la police, c'est en 2019, et il s'est passé quelque chose de grave. Hein. William a cassé sa carte SIM, il a cassé le pare-brise de sa voiture, et il lui a mis un coup de poing au visage. La police arrive, mais Holly refuse de porter plainte, et comme d'habitude, elle revient vers William. Les amis de Holly sont très 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 inquiet il voit à quel point elle souffre il voit bien que la situation est grave qu'il faut faire quelque chose donc il n'arrête pas de dire à Holly qu'elle devrait quitter William mais il n'a rien à faire elle ne les écoute pas il y a même un ami à elle un ami d'enfance à qui pourtant elle parle pas très souvent qui un jour l'appelle et qui lui dit écoute Holly je te supplie de quitter William j'ai une très mauvaise intuition je sais pas pourquoi je sais pas comment te l'expliquer, mais je suis persuadée qu'il va finir par te tuer. Et je ne veux pas que ça arrive, alors s'il te plaît, pars. Laisse-le. Et un jour, William va encore plus loin dans l'horreur. Ollie a un petit bichon blanc, un petit chien blanc qu'elle adore plus que tout. Hein. Pour vous dire, même sa photo de profil, c'est une photo d'elle et son chien. Son chien, c'est son petit bébé. Et un jour, elle rentre chez elle et son chien a disparu. Elle sait tout de suite que c'est William qui a fait quelque chose et elle est en panique. Elle se demande où est son chien, ce qu'il a fait à son chien, elle a vraiment très peur et elle reste sans nouvelles quelques jours jusqu'à ce qu'elle retrouve son corps au bord d'une voie rapide. C'est William qui a libéré le chien et qui l'a placé exprès sur la voie rapide. En espérant qu'il se fasse écraser par une voiture et c'est ce qui est arrivé. C'en est trop pour Holly, c'est l'électrochoc dont elle avait besoin. Elle le quitte et là, elle se met vraiment à craindre pour sa vie. Elle installe des caméras chez elle, il y en a deux à l'intérieur de son logement et une autre à l'extérieur qui filme sa porte d'entrée. Elle fait changer le code de sa porte puisque sa porte se déverrouille pas avec une clé. Mais avec un code, et elle appelle son propriétaire en demandant s'il peut pas également rajouter un autre verrou sur la porte, un verrou plus traditionnel, parce que William arrive à, à décoder le verrou en question et il lui est arrivé de réussir à entrer chez elle quand même. Donc elle a très peur, mais malgré tout ça, elle se remet une énième fois en couple avec William. Vous comprenez donc pourquoi ses amis, en apprenant qu'ils ont été retrouvés morts tous les deux dans des circonstances mystérieuses, pensent immédiatement que c'est William qui a tué Ollie. Cependant, la police n'est absolument pas de cet avis. Vu les preuves qu'ils ont retrouvées sur place, sur le lieu de l'accident, eh bien, ça semble évident que William n'est pas la personne responsable de tout ça, mais qu'il s'agit d'une autre personne. Pourquoi Eh bien, déjà parce que l'arme n'est pas retrouvée sur place. Hein. Si c'était euh, si c'était William qui avait tué Oli avant de retourner l'arme contre lui, eh bien, on l'aurait retrouvé avec l'arme soit dans sa main, soit à côté de lui. Or là, pas d'arme sur place. Et puis en plus de ça, je vous ai dit que les corps avaient été retrouvés. Dans une position un peu étrange. Et effectivement, donc, Oli est retrouvé à l'arrière sur le plancher, alors pourquoi pas. Mais euh, William, lui, est retrouvé la tête sur le plancher. Donc, il est à l'avant côté passager, avec la tête sur le plancher, le corps qui remonte après sur le siège et les pieds euh, qui pointent vers le plafond. Ça paraît. Invraisemblable qu'il se soit donné la mort dans cette position. On dirait plutôt que c'est quelqu'un qui l'a tué puis qui a essayé comme ça de fourrer son corps dans la voiture pour un peu le cacher. Et l'instinct des policiers leur dit qu'il s'agit d'un crime commis par un tueur à gages. Le fait que Holly soit escorte interpelle les policiers. Ils se disent qu'elle est régulièrement en contact avec des hommes qu'elle connaît à peine. Peut-être qu'elle a fait quelque chose qui a énervé l'un d'entre eux, qu'il avait des raisons de lui en vouloir et qu'il a décidé de se venger. Donc, pour en avoir le cœur net, il décide de s'intéresser à deux choses. Premièrement, les caméras de surveillance installées par Holly, et ensuite. Le téléphone, enfin les téléphones de Holly, elle a un téléphone privé, un téléphone professionnel et le téléphone de William Lanouet. En analysant les vidéos prises par les caméras de surveillance, les policiers découvrent quelque chose de très bizarre. Dans les jours qui ont précédé le meurtre, il y a trois hommes différents qui se sont présentés chez Holly. À chaque fois, en essayant de trouver des prétextes pour lui parler, pour lui poser des questions. Il toquait à la porte en disant Oli, j'aimerais juste te parler. Est-ce que c'est possible d'avoir une discussion à propos d'un client T'inquiète pas, je vais pas te faire de mal. Enfin, ce genre de choses. Et on voit Oli de l'autre côté de la porte qui est terrifiée. Elle fait les 100 pas dans le logement, on voit qu'elle stresse énormément, elle va chercher quelque chose pour bloquer la poignée de la porte, enfin vraiment elle n'a pas l'air rassurée, et ce qui est encore plus inquiétant c'est que ces hommes-là sont habillés tout en noir et tentent de dissimuler leur visage, il y en a même un qui déplace la caméra en essayant voilà, de ne pas être filmé, ils portent un bonnet, ils portent une capuche sur la tête, enfin voilà, ils essayent vraiment d'être le plus discret possible comme s'ils avaient de mauvaises intentions. Bon, l'identification des trois hommes est quasiment impossible, puisqu'on les voit mal sur l'image. Ils ont réussi quand même à bien dissimuler leur visage. Les policiers ont quand même essayé de découvrir de qui il s'agissait, mais ils n'y sont pas parvenus. Par contre, il y a quelque chose d'autre qui est très intéressant sur ces enregistrements, c'est qu'on entend les meurtres. On ne voit pas, ça se passe hors champ, mais le, le micro de la caméra a enregistré... Les coups de feu et on entend William et Holly crier. C'est absolument insoutenable. Bon par contre étonnamment les voisins n'ont rien vu, rien entendu. C'est dommage parce que c'est vrai que s'ils avaient entendu les coups de feu, ils auraient peut-être regardé par la fenêtre et ça aurait permis euh, d'avoir des éléments pour la police. Mais non, ils n'ont absolument rien entendu malheureusement. Les policiers passent alors à l'analyse des téléphones et il y a un numéro en particulier qui les intéresse. C'est un numéro qui a envoyé des SMS euh, sur le téléphone de William et qui a également tenté d'appeler Oli à plusieurs reprises sur son téléphone professionnel. Et malheureusement, c'est un numéro virtuel, donc c'est un numéro qui est protégé, mais on peut toujours quand même retrouver des informations sur la personne à qui appartient ce numéro. On peut notamment trouver l'adresse IP et c'est ce que fait la police cette adresse IP est reliée à une adresse mail et cette adresse mail est celle d'un homme qui se fait appeler Jimmy Green alors ce n'est pas son vrai nom hein, il ne s'appelle pas réellement Jimmy Green mais il a également un deuxième surnom et ce surnom c'est très intéressant c'est agent 47 agent 47 c'est le nom du personnage principal du jeu vidéo hitman Hitman, qui se traduit en français par tueur à gage. La théorie de la police semble se confirmer. Les techniciens de la police sont très doués pour retrouver des informations, hein, donc ils retrouvent l'identité de cet homme et c'est un homme qui s'appelle Adam Carey. Adam Carey, c'est un ancien militaire de la marine qui s'est reconverti depuis dans un poste d'agent de, de sécurité. Et Adam Carey, il n'a absolument aucune raison de vouloir faire du mal à Holly et William. Donc ça semble évident, encore une fois, qu'il s'agit d'un tueur à gage et que quelqu'un l'a dû lui demander de. Faire Faire le sale boulot. Ce qui est sûr, c'est que malgré le fait qu'on ne voit pas bien les visages sur l'enregistrement des caméras de Holly, on reconnaît quand même qu'Adam Carey est un des trois hommes qui a toqué chez elle dans les jours qui ont précédé le meurtre. Les policiers cherchent alors à savoir qui avait engagé Adam et ils ne tardent pas à le découvrir. Il s'agit d'un homme qui s'appelle Brian Brockway, qui lui aussi est un ancien militaire qui s'est reconverti en garde du corps, agent de sécurité et il travaille spécifiquement avec euh, les politiciens. Donc euh, il est garde du corps pour des personnes haut placées au gouvernement et cet homme-là n'a pas non plus de raison de vouloir faire du mal à Holly et William. Il ne trouve pas d'informations laissant penser qu'il les connaissait d'une manière ou d'une autre. Donc là encore, c'est sûrement un tueur à gage et il faut découvrir qui les avait engagés tous les deux. C'est alors que les policiers découvrent que Brian et Adam avaient reçu un document. Un document un peu codé qui est écrit de manière militaire et ce document sert à leur donner une mission celle d'obtenir un maximum d'informations sur Holly. Et euh, on leur demande d'obtenir des choses comme l'adresse de Holly, de savoir si elle vit avec quelqu'un, de savoir euh, quelles sont ses habitudes, à quelle heure elle sort de chez elle, etc. Et c'est pour ça en fait qu'ils avaient toqué chez Holly dans les jours qu'on précédait le meurtre. Ils tentaient en fait d'essayer de savoir si elle était chez elle, de voir un petit peu si elle ouvrait la porte, s'il y avait quelqu'un d'autre avec elle, ce genre de choses. Or ce document a été envoyé un troisième homme, et cet homme s'appelle Gilad Peled. Gilad euh, travaillait lui aussi comme militaire pour l'armée israélienne, puis ensuite quand il est arrivé aux États-Unis, il se reconvertit, comme les deux personnes avant lui comme agent de sécurité, garde du corps. Il s'est installé en Californie et ça marchait super bien pour lui. Il est devenu garde du corps de Star carrément, il s'est fait un nom, il s'est fait une belle réputation et il est arrivé jusqu'à être le garde du corps de Charlie Sheen. Cependant, un jour, Charlie Sheen fait un peu un remaniement dans son personnel. Gilad est viré. Alors, on ne sait pas exactement pour quelle raison Gilad a été viré, mais quelque part, ça l'arrangeait un peu parce qu'il avait envie de changer de vie. Il avait envie d'offrir une vie meilleure à sa famille. Donc, ils se sont tous installés à Austin, au Texas, une ville dans laquelle il était persuadé que ses fils auraient une meilleure vie, puisque Gilad est marié avec deux enfants. Et arrivé à Austin, il crée sa propre société, une société donc. De sécurité. Il propose ses services en tant que vigile ou garde du corps. Malheureusement, son entreprise peine à décoller. Ça ne fonctionne pas du tout pour lui. Il ne trouve pas de clients. Ce n'est pas aussi simple qu'en Californie. Et il est vraiment déprimé par cette situation jusqu'au jour où un client l'appelle. Ce client s'appelle Eric Mound. C'est euh, le directeur d'une concession automobile de marque. Toyota, et c'est un homme extrêmement riche. Sa famille a fait fortune justement dans la vente de voitures Toyota, et ils sont très connus à Austin. Ils ont des publicités un peu partout à la télé, dans les rues, et la concession s'appelant Charles Mound Toyota, Charles Mound c'est le grand-père d'Eric Mound, et eh bien le nom Mound est connu de tous. Si vous dites à quelqu'un à Austin, Mound, ils savent tout de suite de quelle famille il s'agit. Il y a énormément d'habitants d'Austin qui achètent leur voiture dans la concession Charles Mound Toyota. Et Eric Mound a besoin d'un agent de sécurité déjà pour. Surveiller sa concession, mais également parce qu'il y a régulièrement des SDF qui s'installent sur le parking et ça le dérange. Donc il cherche quelqu'un qui soit capable eh bien, de virer ces SDF-là et de surveiller que rien ne soit dégradé ou volé dans la concession. Gilad accepte le poste et il devient très vite un homme de confiance pour Eric Mound. À ce stade, vous devez vous demander quel est le rapport avec Holly Williams, puisqu'on est rendu au Texas, je vous parle du directeur d'une concession, vous devez vous dire mais c'est quoi le rapport Eh bien, je vais tout vous expliquer. Il se trouve que Gilad n'avait pas non plus de raison d'en vouloir à Holly Williams et William Lanway, hein. il ne les connaît pas, il habite carrément dans un autre état. Par contre, très intéressant, le jour des meurtres, il a reçu un virement très conséquent, la somme de 150 000 dollars de la part de son patron, Eric Mound. Bon, le suspense a assez duré, je vous explique tout. Eric Mound, certes, il vit à Austin, au Texas, avec sa femme, mais il a un fils qui fait ses études à Nashville, dans le Tennessee, et il lui arrive de rendre visite à son fils. Or, quand il se rend à Nashville, il profite d'être loin de sa femme pour prendre du bon temps en compagnie d'autres femmes. Et l'une de ces femmes n'est autre que Holly Williams. Il l'a rencontrée à plusieurs reprises, et la dernière fois c'était dans un hôtel. Il lui a donné rendez-vous au bar de l'hôtel, puis ils sont passés dans la chambre, et alors qu'il passait de bons moments entre les bras de Holly, il ne se doutait pas que cette rencontre allait changer le cours de sa vie. Pour toujours. En effet, quelques temps plus tard, Eric Mound reçoit un SMS mystérieux. La personne lui dit être au courant de ce qu'il fait avec Ollie et qu'elle n'hésitera pas à tout balancer à sa famille. Elle demande la somme de 25 000 dollars pour se taire, sinon, tout le monde sera au courant de ce qu'il fait à Nashville. Et si Eric a une certitude, c'est bien qu'il est prêt à à tout, à absolument tout, pour que sa femme ne découvre jamais la vérité. Alors, ce message n'a pas été envoyé par Holly. Quand Eric reçoit ça, il se dit que c'est Holly derrière ce message, mais en réalité c'est William. William a fouillé le téléphone de Holly, il a pris une capture d'écran de la liste de ses clients, et il a décidé de contacter Eric en espérant lui extorquer une grosse somme d'argent. Il n'y a absolument aucune preuve qui existe permettant de penser que Holly était au courant de ça. D'ailleurs, ça semble plutôt évident qu'elle n'était pas au courant puisque elle n'aurait aucune raison d'avoir accepté ça. Elle se faisait déjà beaucoup d'argent avec son travail d'escorte, elle a absolument aucun intérêt à aller perdre des clients en les menaçant. C'est beaucoup plus logique qu'elle garde un bon contact avec eux comme ça elle peut les revoir régulièrement. Et 25 000 dollars, c'est une somme qu'elle se fait en un week-end. Comme je vous le disais, il suffit qu'un client euh, demande. À avoir ses services pendant un week-end et paf, elle a 20 000 dollars donc elle n'a pas besoin de faire ça. Mais bref, pour en revenir à Eric, quand il voit qu'on lui demande de l'argent comme ça, eh bien il décide de demander conseil à Gilad Peled, son agent de sécurité. Pourquoi Gilad Eh bien parce que Gilad ment depuis toujours à tout le monde. Il fait croire que lorsqu'il habitait en Israël, il travaillait pour les renseignements. Or, c'est pas complètement faux, il était un simple soldat pour l'armée israélienne, il n'a jamais travaillé pour les renseignements, mais ça, personne ne le sait. Donc il demande conseil à Gilad et Gilad lui dit en fait ce qu'il y a de plus logique, c'est-à-dire, bah, allez voir la police. Or, Eric n'est pas de cet avis, il lui répond qu'il est hors de question qu'il aille voir la police. Il a trop peur que cette histoire s'ébruite et vienne aux oreilles de sa femme. Il veut gérer ça discrètement. Donc il demande à Gilad de s'en occuper. Et c'est comme ça que Gilad recrute Adam et Brian en leur demandant de trouver des informations sur Holly. Donc comme je vous l'ai dit, son adresse, ses habitudes, etc. Sûrement dans le but finalement de... Euh, Trouver une solution. À la base, il ne parle pas de meurtre. Hein, c'est vraiment juste trouver une solution, peut-être lui faire peur, essayer de voir exactement si c'est elle qui est derrière les messages. Enfin bref, il n'est pas question de la tuer pour le moment. Mais un jour, William va encore plus loin. Quand il voit que Eric tarde à lui donner la somme demandée, eh bien, il appelle carrément le fixe de sa maison. C'est Eric qui décroche, mais il se rend compte qu'à ce moment-là, sa femme aurait pu décrocher. Et ça, il ne le supporte pas. Et il se dit qu'il va falloir trouver une solution, et vite. Et c'est pile à ce moment-là qu'Adam et Brian proposent leur service en tant que tueurs à gages. Ils disent à Gilad que si la personne qui les a envoyés est intéressée, eh bien ils sont ok pour abattre... Oli et William contre la somme de 60 000 dollars chacun. Gilad fait remonter l'information, il informe Eric de cette proposition et Eric accepte volontiers. C'est ainsi que les deux hommes se rendent chez Oli et qu'ils attendent, tapis dans le noir, qu'elle et William quittent le logement. Ça arrive, ils quittent tous les deux le logement tard le soir. Ils vont dans la voiture de Oli. Et c'est à ce moment-là qu'Adam et Brian sortent de l'obscurité. Ils courent vers le couple et ils abattent William d'une balle dans la tête, donc devant le logement. Ensuite, ils tirent également sur Holly, mais Holly est blessée. Elle n'est pas morte. Adam se glisse derrière le volant et il fait le trajet jusqu'à l'endroit où la voiture a été retrouvée. Et c'est là qu'il achève Holly d'une balle dans la tête. Donc, c'est-à-dire qu'Holly a fait tout le trajet, quelques kilomètres avec le corps de William à l'avant de la voiture et un homme qu'elle ne connaît pas au volant. Elle est blessée, elle est terrifiée, j'imagine même pas à quel point ça a dû être horrible, j'imagine pas ce qui a pu lui passer dans la tête, elle devait avoir tellement mais tellement peur, surtout qu'elle n'a pas compris. C'est-à-dire que William, lui, il savait ce qu'il avait fait, il a probablement compris pourquoi il y avait des hommes qui venaient comme ça pour l'agresser. Mais Oli, elle, elle n'est au courant de rien. Donc en fait, elle a dû penser que c'était des espèces de psychopathes qui avaient décidé de les tuer comme ça gratuitement. Et même si William est lui aussi une victime dans cette affaire, on ne peut pas nier que ce qu'il a fait, c'était vraiment n'importe quoi. Il a mis Holly en danger. Et finalement, elle a perdu la vie un petit peu de sa faute aussi. Même si c'est pas lui qui tenait l'arme. Bah, il devait bien se rendre compte que ce qu'il faisait était extrêmement dangereux et que si l'homme ne voulait pas payer, eh bien il allait peut-être lui arriver malheur et qu'ils allaient penser que Holly était aussi derrière tout ça puisque c'est elle qui avait eu rendez-vous avec cet homme. Adam, Brian et Gilad sont arrêtés tous les trois en même temps. Par contre, en ce qui concerne Eric Mound, la police ne peut pas l'arrêter en même temps que les autres parce qu'ils n'ont pas assez d'éléments pour l'inculper. Ce qui se passe, c'est que la seule chose qu'ils ont contre Eric, c'est le virement qu'il a fait à Gilad. Alors, certes, c'est suspect, c'est bizarre d'envoyer comme ça à son, à son vigile la somme de 150 000 dollars le jour d'un meurtre, mais en fait, il peut facilement trouver des excuses au tribunal. Il peut dire que c'était tout simplement une somme qui était destinée à faire taire William, à lui dire que voilà, il lui donnait plus que ce qu'il avait demandé mais qu'en échange il espérait qu'il le laisse tranquille. Il peut aussi dire qu'il avait bien payé Gilad pour qu'il règle la situation mais qu'il lui avait demandé de faire peur à William et Ollie sans les tuer. Enfin bref. Il n'y a pas assez d'éléments qui prouvent qu'il était bien au courant qu'il allait y avoir des meurtres. Le plan des policiers est alors d'utiliser l'arrestation de Gilad à leur avantage. Ils expliquent à Gilad qu'ils ont assez d'éléments contre lui pour que de toute façon il ne puisse pas échapper à une condamnation. Ils lui listent toutes les preuves qu'ils ont contre lui et Gilad voit bien qu'effectivement le dossier est lourd, il ne peut pas s'en sortir, il ne pourra pas être... Quitté, mais la seule chose qu'il puisse faire, c'est de collaborer avec la police afin d'avoir une peine plus clémente. Donc Gilad accepte et les policiers lui demandent d'appeler Eric. Gilad explique à Eric que l'un des tueurs à gages a découvert son identité et qu'il menace de révéler qu'Eric les a payés pour les meurtres. À la police. Il accepte de se taire si on lui verse la somme de 25 000 dollars. Donc Eric se retrouve encore dans la même situation où quelqu'un essaye de lui extorquer de l'argent. Eric répond qu'il est d'accord pour le payer puisque quelque part cet homme lui a fait une faveur en acceptant de régler la situation avec Holly Williams mais il a peur que cet homme en demande toujours plus. Peut-être que cet homme va se présenter à nouveau dans quelques mois en demandant encore plus d'argent et finalement, ils ne vont jamais s'en sortir. Donc, Gilad lui demande s'il veut qu'il se charge de ce problème et Eric lui répond la chose suivante. « Il m'a rendu service et je lui en suis reconnaissant, mais je veux m'assurer qu'il ne revienne pas dans six mois. Je préfère qu'on règle ça de manière permanente et je ferai un virement de 150 sur le compte de ton entreprise, comme la dernière fois. » Cette fois, les policiers ont la preuve qui leur manquait et Eric Mound est arrêté. Au tribunal, Gilad est jugé séparément des trois autres puisque lui plaide coupable, tandis qu'Adam, Brian et Eric plaident non coupables, donc ils sont tous jugés ensemble en novembre 2023. Et ils ont tous les mêmes charges qui pèsent contre eux, donc meurtre conspiration en vue de commettre un kidnapping et kidnapping ayant mené à un meurtre. Pour leur défense, bien évidemment c'est toujours ça quand il y a plusieurs accusés, ils se chargent les uns les autres et surtout ils chargent Gilad qui n'est pas présent à leur procès pour se défendre, ils le font baser pour le plus grand des mythomanes et Gilad est effectivement un peu mytho sur les bords, hein. je vous ai dit qu'il avait fait croire à tout le monde qu'il avait travaillé pour les renseignements israéliens. Il a également menti à d'autres reprises, c'est quelqu'un qui aime bien mentir. Donc il se base là-dessus en disant, voilà, Gilad ment et il a encore menti. Il voulait tout simplement balancer des informations pour avoir une peine moins lourde. Donc il a raconté n'importe quoi, on n'a rien fait de mal. Et Eric, lui, prétend qu'il n'était absolument pas au courant que les hommes allaient commettre des meurtres. Même si on a quand même un enregistrement de lui qui parle très clairement d'une solution permanente comme la dernière fois. Il y a également un enregistrement compromettant de Brian, puisque Brian avait été contacté par un agent du FBI en civil, qui se faisait passer pour quelqu'un qui avait besoin des services d'un tueur à gage. Alors, ils ont discuté, Brian lui a proposé de se voir lors d'un rendez-vous, et c'est à cette occasion qu'il a été enregistré. Et là, contre toute attente il se met à raconter en détail ce que lui et Adam ont fait à Nashville, comme s'il essayait finalement de convaincre ce client qu'ils étaient très efficaces et qu'il devait effectivement faire appel à eux. Donc là, la conversation est totalement lunaire. Hein. Brian raconte les événements comme s'il s'agissait de quelque chose de banal et surtout hyper choquant. Il dit qu'il est très fier de Adam, qu'il a un respect immense envers lui parce qu'il n'a pas hésité à tuer Ollie, alors que d'autres auraient eu du mal étant donné qu'il s'agit d'une femme et que selon lui, voilà, c'est un peu plus difficile euh, de tuer une femme. Donc oui, oui, vous avez bien entendu, il a un respect immense pour lui parce qu'il a tué une femme. C'est hallucinant. Après avoir raconté tout ça, il dit à l'agent du FBI qu'il est totalement disponible pour lui rendre service. Et pour ça, il faut simplement lui fournir la somme de 60 000 dollars. Enfin, 60 000 dollars pour lui, 60 000 pour Adam. Ainsi que les détails de la mission et le matériel. Donc, le matériel, c'est notamment les armes, des gants, ce genre de choses. Donc, entre l'enregistrement d'Eric Mound et celui-ci. On a quand même des preuves solides, hein, c'est quasiment des aveux, donc leur défense ne tient pas et ils sont tous les trois reconnus coupables. Alors, Brian et Adam sont reconnus coupables des trois charges qui pesaient contre eux, tandis qu'Eric est reconnu coupable dans uniquement deux des charges, c'est-à-dire la charge de meurtre et la charge de kidnapping ayant mené à un meurtre. La charge de conspiration en vue de commettre un kidnapping est abandonnée, puisqu'il n'y a pas de preuve qu'il voulait que ça se passe de cette façon-là avec un kidnapping. Lui, il avait simplement demandé à ce que William et Holly soient tués, il n'a pas demandé à ce qu'ils soient kidnappés. Vous voyez, il y a une petite nuance. À ce jour, on ne sait pas à quoi les quatre hommes vont être condamnés. Leurs procès n'ont pas eu lieu, on sait juste qu'ils ont été reconnus coupables, mais on ne connaît pas leur peine. Mais ils encourent une peine de prison à vie, je vous tiendrai au courant quand on aura des nouvelles. Cependant, des petites nouvelles d'Eric Mounds, il y a eu un souci avec son procès à lui en particulier, puisqu'au moment où les jurés délibéraient pour déterminer s'il était innocent ou coupable dans les charges qui pesaient sur lui, eh bien, il y a des éléments qui ont été fournis au jurés et qui n'auraient pas dû l'être. Il y a eu une erreur administrative et finalement, il y a certains éléments qui n'avaient pas été reconnus comme preuves. Des éléments donc dont ils n'auraient pas dû avoir connaissance lors de ce procès, eh bien, qui leur ont été fournis. Alors, bien évidemment, c'est une erreur très grave. Le procès a dû être annulé et Eric Mound sera rejugé. Ses avocats espèrent pouvoir obtenir son acquittement. On verra bien. On ne connaît pas non plus encore la sanction que va avoir Gilad Peled, mais étant donné qu'il a collaboré avec la police et avec la justice et qu'il a en plus plaidé coupable, et eh bien on peut imaginer qu'il va avoir une sanction un peu plus clémente que les autres, mais finalement rien de sûr. Hein. Il n'a pas euh, signé quelque chose qui dise qu'il aura forcément euh, une sanction plus clémente c'est finalement à l'appréciation du juge donc peut-être que le juge décidera quand même de lui mettre une peine très lourde, même si généralement les juges prennent quand même en compte le fait euh, qu'une personne ait collaboré et semble avoir des remords. Gilad a expliqué que son mobile c'était tout simplement l'argent, hein, il avait des soucis financiers comme je vous l'ai expliqué, son entreprise ne fonctionnait pas très bien et il a touché une somme immense de la part de euh, Eric, il a touché plus que les autres puisqu'il a reçu au total... 900 000 dollars. Et il était tellement désespéré, ça n'allait pas, il voulait absolument pouvoir mettre sa famille à l'abri, que voilà, il était prêt à tout et il a accepté. Petite anecdote sur l'affaire Eric Mound, pour vous dire à quel point cet homme est culotté et se croyait au-dessus des lois, eh bien Eric Mound a laissé un avis 5 étoiles sur la page Google de l'entreprise de sécurité de Gilad Peled. Je vous laisse avec son commentaire. Chez Speartip, on a affaire à de véritables professionnels. Ils font le boulot très rapidement. Je ne ferai jamais appel à quelqu'un d'autre. On a bien évidemment une grosse pensée pour les victimes, Holly, Williams et William Lanway qui avaient la vie devant eux et qui sont morts, tout simplement parce qu'un millionnaire qui se pensait au-dessus des lois a préféré sacrifier deux vies humaines plutôt que d'être honnête avec sa femme. Sur ce, c'est tout pour cette histoire. Je vous retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires.